L'histoire du riz et la Grande Muraille. La mystérieuse longévité de la Grande Muraille. Vous ne le croirez pas, mais la Grande Muraille de Chine a été construite avec un ingrédient étonnant, le riz gluant. Il y a 1500 ans, les ouvriers de la muraille mélangeaient le riz gluant avec le mortier pour créer un mélange solide et stable qui a résisté à des milliers d'années de vent et de tempêtes, même à des tremblements de terre. Des chercheurs de l'université Zhejiang de Hangzhou ont récemment découvert que c'est un amidon polymérisé, présent dans le riz, qui donne à ce mortier sa stabilité et sa robustesse particulière. Ils ont même testé leurs résultats en ajoutant différentes quantités de riz dans des échantillons de mortier et ont découvert que cela augmentait la stabilité et la résistance des bâtiments. La prochaine fois que vous visiterez la Grande Muraille de Chine, pensez à remercier le riz gluant pour sa contribution à sa longévité. Et qui sait ? Peut-être que cette découverte pourrait inspirer la restauration de bâtiments anciens à travers le monde. Bonjour et bienvenue, chers explorateurs, dans ce voyage vers les incroyables secrets du riz. Je suis, Luana, votre guide dans cette expédition fascinante qui nous mène 10 000 ans en arrière. Accrochez vos ceintures. C'est parti! 15 choses inédites sur le riz que vous ne connaissiez peut-être pas. Depuis des millénaires, le riz est un aliment de base pour des milliards de personnes. Mais quel est le secret et l'histoire de cette céréale qui a su conquérir le monde? Et quels enjeux se cachent derrière ce grain apparemment si banal? Restez jusqu'à la fin pour tout connaître sur les étonnantes propriétés du riz. Allez, c'est parti! Saviez-vous que il existe plus de 150 000 variétés de riz différentes dans le monde. Le riz est l'une des céréales les plus anciennes cultivées par l'homme, avec des traces datant de 5 000 ans en Chine. Le riz est cultivé sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Il existe des variétés de riz sauvages qui peuvent pousser dans des conditions extrêmes, comme les zones désertiques et les zones montagneuses. Le riz est utilisé pour produire de nombreux produits dérivés, comme le saké, le vinaigre de riz et le sucre de riz. Le sucre de riz est un ingrédient de cuisine populaire obtenu à partir de la fermentation de l'amidon du riz. Il a une belle couleur ambrée semblable au sirop d'érable, un goût doux et une texture similaire au miel. Il est riche en magnésium et en potassium et se diffuse lentement dans le corps, contrairement au sucre blanc. Il est apprécié par les sportifs pour l'énergie qu'il fournit à long terme, étant une alternative plus saine à d'autres types de sucre. Il peut être utilisé comme substitut de sucre dans de nombreuses recettes, telles que les boissons chaudes, les desserts et les marinades. Le riz sert à la production de l'huile de riz, qui est riche en acides gras et en vitamines. Le riz est un ingrédient clé dans la fabrication de la bière et de la vodka, car il est riche en amidon, qui est utilisé dans la fermentation. Le riz a des propriétés antimicrobiennes naturelles, il est utilisé pour préserver les aliments et les cosmétiques. Le riz est également utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise pour traiter une variété de maladies. Le riz est un ingrédient clé dans la fabrication de nombreux médicaments traditionnels, notamment en Chine et en Inde. Il y a des variétés de riz qui ont des propriétés anti-cancer et qui peuvent aider à prévenir les maladies cardiaques. Le riz est également utilisé dans la production de l'huile de riz pour les cheveux et les soins de la peau. Le riz est aussi utilisé dans la production de papier, de textiles et de cosmétiques. Le riz est le plus grand producteur de biomasse. Il est utilisé pour produire de l'énergie sous forme de biogaz. Les feuilles de riz sont comestibles et sont utilisées dans certaines cuisines pour faire des feuilles de riz farcies et des soupes. L'histoire secrète du riz commence à peine. Si vous voulez épater vos amis, restez jusqu'à la fin pour découvrir des faits étonnants. Surtout ne manquez pas la fin de cette vidéo, où nous allons apprendre les astuces que presque personne ne connaît pour attirer la chance, la santé et éloigner les vibrations négatives. Allez, c'est parti! Les origines du riz. Les chercheurs pensent que la domestication originale de tous les cultivars de riz est Oryza sativa japonica. Cette espèce a été sélectionnée par les chasseurs-cueilleurs, sur le cours inférieur du fleuve Yangtze, il y a environ 9000 à 10 000 ans. Les origines du riz remontent à environ 5000 ans, en Asie. Les archéologues ont découvert des traces de riz dans des sites datant de cette époque, en Chine, au Japon et en Indonésie.
Le riz était alors cultivé principalement dans des zones humides et marécageuses, et il était principalement consommé par les populations locales. Le riz est un aliment de base pour des milliards de personnes à travers le monde, mais il est particulièrement important en Chine, où il est cultivé depuis des millénaires. Mais quelle est l'histoire de cette céréale en Chine? Et pourquoi les Chinois cultivent-ils le riz en terrasse? Le riz a grandement contribué à façonner le caractère docile du peuple chinois. Le dos voûté, il travaillait sur les champs, en humidité, pendant toute l'année. Car le riz, à la différence du blé, donne 3 ou 4 récoltes par an. Au fil des siècles, le riz est devenu un aliment de base pour les Chinois, et il est devenu un symbole de la culture et de l'identité de la Chine. Le riz est également devenu un élément central de la vie économique en Chine, car il est un produit de base pour l'agriculture, l'industrie alimentaire et les exportations. Comment les dynasties chinoises ont-elles été liées au riz au cours de l'histoire? La culture du riz a connu son apogée sous la dynastie des Han. La dynastie des Han a été la plus longue dynastie de l'histoire de la Chine, régnant pendant 400 ans de 206 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à 220 ans après Jésus-Christ. Les empereurs Han ont développé des techniques de culture de riz innovantes, comme la rotation des cultures et l'utilisation de l'irrigation, qui ont permis d'augmenter les rendements. Ils ont également promu l'expansion de la culture du riz dans les régions de montagne grâce à la technique de culture de riz en terrasse. Cette technique a été largement utilisée pendant des millénaires dans les régions montagneuses de Chine, permettant de nourrir les populations locales. Les Han ont également été les premiers à utiliser le système de la « banque des terres » pour redistribuer les terres à des fins agricoles, qui a permis une augmentation de la production alimentaire et un accroissement de la population. Cette pratique a également contribué à la stabilisation sociale et politique de l'époque. La dynastie des Han a été marquée par un grand développement économique, culturel et scientifique. Les Han ont élargi les routes commerciales, amélioré les techniques agricoles et développé de nouveaux outils et machines. Ils ont également créé un système d'écriture simplifié pour l'éducation de masse. Les lettrés Han étaient hautement respectés et ont joué un rôle important dans la vie politique et sociale de l'époque. Au cours de la dynastie Tang, de 618 à 907, la culture du riz a continué à se développer et est devenue un symbole de la prospérité économique et culturelle de la Chine. Sous la dynastie des Song, qui a duré de 960 à 1279, la culture du riz a connu un essor encore plus grand, grâce à l'utilisation de nouveaux outils et techniques agricoles. Les empereurs Song ont également établi des politiques pour soutenir la culture du riz, comme la construction de canaux d'irrigation et l'établissement de marchés pour les grains. Sous les dynasties Ming, de 1368 à 1644, et Qing, de 1644 à 1912, la culture du riz a continué à être un pilier de l'économie chinoise. Les empereurs Ming ont établi des politiques pour améliorer les rendements de riz et ont encouragé la culture de variétés de riz à haut rendement. Les empereurs Qing ont également continué à soutenir la culture du riz, en construisant des canaux d'irrigation et en établissant des marchés pour les grains. Mais pourquoi les Chinois cultivent-ils le riz en terrasse? La réponse est simple, les terrasses permettent de cultiver le riz sur des terrains escarpés ou en pente, qui ne sont pas adaptés à d'autres cultures. Les terrasses permettent également de contrôler l'irrigation et de maximiser les rendements. Elles sont considérées comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie agricole, car elles permettent de cultiver le riz dans des conditions difficiles, et ces terrasses sont la marque de la détermination et de la persévérance des Chinois. Cette technique de culture de riz en terrasse a permis de nourrir des populations entières dans des régions de montagne, où il était autrement difficile de cultiver des aliments. Elle a également permis de préserver les sols et les forêts des régions de montagne, en réduisant la déforestation et l'érosion. Aujourd'hui, la culture de riz en terrasse est encore pratiquée dans de nombreuses régions de Chine, notamment dans les provinces du Yunnan, du Sichuan et du Guizhou. C'est un symbole de la culture et de l'identité chinoise, et il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le riz voyage au-delà de la Chine. Au fil des siècles, le riz s'est répandu dans d'autres régions d'Asie, notamment en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Les Perses ont introduit le riz en Iran, et les Arabes l'ont apporté en Afrique de l'Ouest. Le riz arrive en Europe au Moyen Âge, grâce aux Arabes. Il a été introduit en Espagne et en Italie, où il est devenu un ingrédient de base de la cuisine méditerranéenne.
C'est au XVe siècle que les Portugais ont introduit le riz en Amérique du Sud. Le riz est devenu un aliment incontournable dans les cuisines du monde entier et l'emblème de la culture et de l'identité de nombreux pays, de la Chine à l'Afrique de l'Ouest en passant par l'Inde et le Japon. Mais le riz est aujourd'hui confronté à de nombreux enjeux. La croissance démographique mondiale, la hausse des températures liées au changement climatique ainsi que les exploitations de rizières intensives, qui ont un impact négatif sur l'environnement, notamment en termes de perte de biodiversité et de pollution de l'eau. Le riz et les pratiques spirituelles. Le riz est un aliment central dans de nombreuses cultures d'Asie, et il est souvent associé à la spiritualité. Dans les traditions asiatiques, il est considéré comme un symbole de prospérité, de fécondité et de bonheur. Dans la culture chinoise, le riz attire la richesse, et il est souvent utilisé dans les cérémonies religieuses et les rituels. Il est également un symbole important pour les agriculteurs, car il représente la nourriture de base et la source de leur subsistance. En Inde, le riz est considéré comme un aliment sacré et est souvent offert aux dieux et aux déesses lors des cérémonies religieuses. Il est également utilisé dans les mariages et les cérémonies de naissance comme symbole de bonheur et de fécondité. Dans les cultures japonaises, le riz est le symbole de la vie et de l'abondance. Dans les cérémonies religieuses Shinto, c'est un symbole de pureté et de santé. L'astuce que presque personne ne connaît. Un bol de riz à l'entrée de la maison attire la chance et éloigne les vibrations négatives. Vous vous sentez maudit par le sort ces derniers temps ? Vous avez l'impression que la malchance vous poursuit à chaque coin de rue ? Il est temps de donner un coup de pouce à votre intérieur. Car, après tout, votre maison devrait être votre refuge, un cocon de bien-être et de bonheur, loin des stress et des tensions du quotidien. Mais si vous sentez encore une forme de mal-être chez vous, c'est peut-être que votre intérieur est intoxiqué par des vibrations négatives. Heureusement, il existe une astuce incroyable pour éloigner ces énergies étouffantes, un bol de riz à l'entrée de votre maison. Des siècles durant, le riz a été considéré comme une céréale au pouvoir bénéfique, capable d'attirer les bonnes énergies et de repousser les ondes négatives. Les amateurs de Feng Shui le savent bien, un bocal de riz est toujours de bon augure à l'entrée de la maison. Beaucoup de gens croient que cet aliment a un effet salvateur sur l'aura de l'habitation, ramenant la chance, la prospérité et le bien-être à ses hôtes. Alors, pour éloigner définitivement ces énergies étouffantes, il est recommandé d'installer un bocal de riz à l'entrée de chez vous. Au bout de quelques temps, vous gagnerez en sérénité et en quiétude. Et si vous voulez aller plus loin dans cette voie, vous pouvez également asperger une poignée de riz à l'extérieur de la maison devant la porte d'entrée ou sous le paillasson. Cela permettra de drainer le bonheur, l'argent et la prospérité. Vous pouvez également parsemer un peu de riz dans les angles de vos pièces à vivre, sous les tapis et sur le rebord des fenêtres. Et pourquoi pas un bol de riz dans votre bureau de travail pour attirer de bonnes énergies et favoriser une bonne évolution de carrière ? Alors, n'attendez plus. Il est temps de dire adieu à la malchance et de laisser entrer le bonheur dans votre maison. Le riz pour fortifier le QI vital. Savez-vous que le riz peut également avoir un impact bénéfique sur votre santé mentale et physique ? Selon la médecine chinoise, l'alimentation joue un rôle crucial dans l'harmonie des organes internes et donc sur le QI vital. Dans l'ouvrage le plus ancien sur la médecine chinoise, Xuan, il est écrit « L'homme ne sera pas malade si les cinq organes sont solides et en sécurité. Le QI et le sang circuleront en harmonie et l'esprit sera paisible. » Selon cette doctrine, chaque aliment a une saveur qui renforce un organe spécifique. Le riz, par exemple, nourrit le poumon. Le poumon est responsable de la respiration, de la circulation de l'air et de la distribution de l'énergie dans le corps. Il est également associé à l'émotion de la tristesse. Le poumon en bonne santé est essentiel pour un bon fonctionnement de tout le corps et pour un bon équilibre émotionnel. Selon les principes de la médecine chinoise, en mangeant du riz, vous nourrissez le poumon et renforcez donc votre QI vital. Manger du riz de manière régulière peut donc contribuer à une meilleure santé mentale et physique en renforçant le poumon. Il est important de noter que pour maximiser les bienfaits pour la santé, il est préférable de consommer du riz complet plutôt que du riz blanc raffiné. Le riz complet contient plus de fibres, de vitamines et de minéraux que le riz blanc raffiné. Il est également plus riche en nutriments et en énergie, ce qui peut aider à renforcer le poumon et améliorer votre QI vital.
notre voyage a reculé le temps vers les origines du riz prend fin. Comme des détectives qui ont bien fait leur devoir, il est temps de se poser tranquillement avec toutes ces informations précieuses et de tirer les bonnes conclusions pour les appliquer dans nos vies pour être plus sains, heureux et prospères grâce à cette mirifique céréale. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette fascinante incursion. Abonnez-vous et restez avec Tonique Vert pour d'autres découvertes fascinantes et utiles du monde végétal. Les surprises sont loin d'être terminées. Nous sommes juste au début de notre voyage. À la prochaine, chers amoureux de la nature.